Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis le général Franco. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Les dossiers vont nous tuer au Cameroun. Après l'hôpital Jamon, c'est le CHU actuellement. On nous annonce que notre super influenceuse, notre Mafo, pour ceux qui ne savent même pas qu'elle est même Mafo, notre diva, notre biscuit de mer, Coco Emilia, est en état de dépression. Oui, donc, dans les jours à venir, si quelqu'un voit notre Mafo marcher nue, comme celle qui marchait tout récemment ici à Yaoundé, on parle de la dépression toujours, ne soyez pas surpris. Mais ce qui m'inquiète, c'est la réaction de certains. Je vais commencer par Malox. Parce qu'on se rappelle que Malox l'avait invité dans son clip. Apparemment, elle n'avait même pas géré Malox. Et à partir de ce moment-là, Malox a toujours un peu un nez comme ça sur elle. À chaque petit mouvement, le gars tire ses mains. Donc, vous pouvez voir donc les posts de Malox qui ne lui donnent pas le lait depuis que le gars est au courant que notre soeur est en train de nedaime un peu. D'autres ont parlé de la déception. Kourou, depuis que son Vemba, le chouchou, Vemba Chou, l'avait déçu pour son mariage, plus rien ne va. Elle faisait semblant sur les réseaux comme si elle tenait le coup, mais en réalité, qu'elle était seule dans sa chambre, rien n'allait. Il y a des moments où elle criait, elle faisait des trucs comme si elle a tiré le yayato. Mais bon, d'autres sont venus sur nous dire que c'est des problèmes de coutume. Vous savez, quand quelque chose arrive comme ça, chacun dit ce qu'il pense. Kourou, elle s'était, on l'avait dotée, on avait fait sa dot avec l'enfant dans le ventre qui est strictement interdit chez les Bamiléké. Et comme elle est mafo, elle a porté les trucs que vous voyez sur elle là. Elle ne devait pas se marier avec des choses là sur elle. Mais quant à moi personnellement, moi je pense qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui sait ce qui se passe. Parce qu'on a toujours dit, comme vous voulez abandonner vos études aujourd'hui pour devenir seulement influenceuse, comme c'est le nouveau métier aujourd'hui, c'est le nouveau business aujourd'hui, on voit seulement les filles qui ne font ni le one-man show, ni la comédie, ni même le cinéma. Elles postent seulement les photos en longueur de journée. Elles sont influenceuses. Elles voyagent par-ci, elles voyagent par-là, elles voyagent par-ci, elles partent en Europe, elles partent à Dubaï, elles partent, elles partent. Tu ne sais même pas ce qu'elles partent te faire là-bas. Moi, je parle dans le cas général. On voit ces influenceuses tous ces jours-ci sur Facebook. D'autres qui ont même fui le pays pour dire que lui, ça dit même que le Cameroun, c'est la merde, changer de pays même. On ne sait pas réellement ce qu'elles font pour avoir l'audience. Moi, je dis, chacun porte ses problèmes. Accrochez seulement vos sacs ou, si à jamais, même les mains sont coupées, vous pouvez venir décrocher même avec les dents. Vous avez compris, les amis? Donc, l'affaire de notre soeur actuellement, c'est là. Seul Dieu qui sait vraiment ce qu'il arrive. Et je vais vous dire, parce que quand vous envoyez souvent les injures, là, vous avez vu ce qui est arrivé à notre soeur qui a fui le pays, là, non? Que je ne veux même pas dire le nom. Elle est quelque part en Côte d'Ivoire là-bas. Toujours les injures, ce n'est pas facile. Vous avez constaté même qu'à un moment, depuis un certain temps là, moi j'évite même de lire les commentaires. Parce qu'il y a les commentaires, tu lis comme ça, tu peux faire une semaine sans manger. Oui. Il y a des gars qui viennent te laisser les commentaires. Si tu lis, moi j'évite beaucoup à un certain moment donné. Quand j'ai commencé à parler de certains vraiment gros dossiers, les gars ont commencé à me clasher, m'insulter en commentaire. J'ai dit, j'évite un peu les commentaires. Donc moi, j'évite un peu vos commentaires maintenant, si là. Donc notre soeur actuellement, si, les amis, est dans un état vraiment qui n'est pas bon. Qui n'est pas bon. Après la dépression, ça peut être quoi? La folie, parce que ce sont les cousins. Donc, à l'heure actuelle, si là, je pense qu'on doit plutôt rester en prière pour elle. Et ce que je voulais dire pour chuter, c'est que ce qui arrive à Jean aujourd'hui peut arriver à Paul demain. Ceux qui se moquent, ceux qui montrent les dents là, on ne connaît pas la fin.
Personne ne connaît sa fin. En bon entendeur, salut. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.